Devine la bonne nouvelle, Sarah. Quoi? Bon, d'abord, je te dis, on est au lycée. Enfin, c'est le début de lycée aujourd'hui. On est en septembre. Oui. Et la nouvelle... Enfin, la nouvelle, c'est que papa n'est plus méchant. Ouais! Je suis redevenue gentille avec toi, Sarah. Et aussi à toi. Merci. J'aime trop ça. Bon, je dois aller au lycée. Bye bye. Bye. Enfin, au revoir. Au revoir. Et ben voilà. C'est tout redevenu normal. Normal, tu veux dire? Ouais. Salut, maman. Oh, salut. Donc, tu es prête pour le lycée? Oui. Ça commence. Donc, tu peux y aller. T'as mangé et tout? Ouais. Bon, alors il va... Vas-y. Merci, au revoir. Je reviens... Je sais pas quand. D'accord. En tout cas, c'est le premier jour. C'est cool. Ouais, toujours cool. Bon. Ça se passe normal, donc... Je sais pas ce que je vais faire. Je vais manger. Oh, salut, Sarah. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'accompagner pour aller au lycée. Ouais, j'espère qu'on sera dans la même classe. Ouais. Tu viens? Ouais. Hé, Sarah, tu sais pourquoi on n'a pas le droit de la récré? Non. Oh, c'est pas grave. Donc, bonjour à tous. D'abord, on va se présenter. Tu commences. Je m'appelle Valérie. Bonjour, je m'appelle Alex. Bonjour, je m'appelle Christelle. Bonjour, je m'appelle Rosaline. Donc, nous sommes les quatre professeurs. D'abord, j'ai une chose à vous dire. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez pas eu de récréation. Voilà. Bah, c'est parce que... On voulait profiter de la récréation. Comme ça, ça va plus vite. Et vous avez plus de travail. Plus plus d'heures. Voilà. Donc, nous allons choisir vous, les lycées. Hein? Et voilà, voilà, tout. Je vais commencer. Donc, on va commencer. Donc, voici ma classe. Voilà. Voici ma classe. Donc, c'est deux rangées là. Voici ma classe, c'est deux rangées là, voilà. Et voici ma classe. Tout ça. Bon. Voilà, donc... Les classes n'auront pas la même heure, pour vous dire, il y en a qui finissent tôt, il y en a qui finissent tard dans les classes. Par exemple, dans la classe de Rosaline, ça finit à 18h. Oui, exact. Oh, oula. Dans la classe de moi, Valérie, ça finit à 16h. Cool. Ouais. Dans la classe de Alex, ouais, ça finit à ça finit tard. Ça finit à quelle heure? 19h. Quoi? 19h? Mais je pourrais pas, moi, j'ai des cours. Avant 19h? Oui. Bon, je sais pas. Et dans ma classe de Rosalinde, ça finit à 16h. Bon, voilà. Quelques questions. Si vous voulez me parler de quelque chose. Oui, moi. C'était pour vous dire que j'ai envie de parler avec ma copine. Moi aussi. D'accord, comme tu veux.
Dans un coin. D'accord. Tu viens? Donc, tu sais ce qu'on doit dire? Ouais. Bon, bah, tout ce qu'on a fait ensemble, et bah, c'est arraché. Ça veut dire que on va plus jamais se revoir. Même si moi, ça finit à 16h. Et c'est de toi, ça finit à 19h. On va pas se voir. C'est pas juste. Au revoir, ma meilleure amie. Je t'aime pour toute la vie, même si je te verrai pas. Oui, c'est ça le plus important. Bah, on peut pas s'amuser un peu? Non, on n'a pas le temps. Bah, allez, on revient. On y va, ouais. C'est bon, on a fini de parler. C'était tellement triste. Voilà. Très bien. On commence. Allez, les classes, partez. Maman, t'es là? Maman! Toc, toc, toc. Oh, je suis bête. Ah bon, les amis, pour la dernière fois, je vais vous dire un résumé. Enfin, je vais vous faire le résumé de cette histoire, Pitchop. C'est que... si vous voulez pas voir, c'est pas grave. Hein. Vous cliquez sur une autre vidéo ou vous faites ce que vous voulez. Hein, pas... C'est pas obligé de regarder, de écouter le résumé. Donc, si vous comprenez pas l'histoire, c'était en fait Rosie. Allez, viens, Rosie. Ouais, c'est moi. Non, avant. Ah, avant, bah. J'étais comme ça avant. Voilà, Rosie, elle était comme ça avant et elle était pas belle. Alors, moi, j'ai fait un maquillage, enfin un plan de maquillage pour qu'elle devienne belle. Elle est devenue comme ça. Mais c'est pas ça le plus important. C'est que elle s'est trouvée une amie. Parce que si elle serait pas maquillée et tout et se changer, elle aurait pas d'amis. Donc voilà, elle s'est trouvée une amie. Et cette amie s'appelle Sarah. C'est moi, Sarah. Et j'ai jamais changé. Et jamais changé. Oui. Donc voilà, cette amie s'appelait Sarah, ils jouaient bien ensemble, bien, bien, bien. Ils allaient au cinéma, ils sautaient à la corde. Ils étaient au collège, hein, ils étaient en 5e. Donc ils avaient 12 ans. Et à la rentrée au lycée, ils avaient 18 ans. Et là, à ce moment-là, ils ne étaient pas dans la même classe. Alors ils se disaient au revoir et tout et après voilà, ça s'est fini comme ça, malheureusement, enfin ça s'est fini comme ça et c'est triste, mais c'est l'histoire, c'est comme ça. Donc merci d'avoir écouté le résumé si vous avez écouté, et maintenant je veux vraiment vous dire au revoir.